La fête de l'appel, c'est en marge avec la fête des vocations. Et c'est-à-dire, suite à la marche des vocations, on a fait la fête de l'appel pour les enfants de 4e. Pour cette fête de l'appel, on a fait un cheminement, toute une préparation avec les élèves de la 4e. Donc, suite à cette préparation, à ce cheminement avec les enfants, à un programme très travaillé par le SDCC, là, nous faisons cette clôture ici à Sainte-Croix. Cette année-ci, on a mis l'emphase pour renouveler cette fête pour les enfants, pour qu'ils puissent savoir que même après la première communion, entre la première communion et la confirmation, ils sont toujours actifs dans la paroisse et qu'ils sont toujours appelés, même après la première communion, ils sont appelés à suivre Jésus, à s'engager, que ce soit dans les mouvements, que ce soit dans la paroisse, etc. C'est un appel aussi continu qui rejoindra leur confirmation et même après. Donc c'est un appel qu'on fait à ces enfants. Et déjà, l'appel peut être senti depuis assez jeune. Donc, on les appelle à être disciples après la première communion et juste avant la confirmation. Donc, à savoir aussi que la fête de l'appel, cette année, dans notre diocèse, se fait en région. Okay, auparavant, ça se faisait au niveau national. Maintenant, on le fait pas en région.